c'est moi. Agent secret, par profession. Tireur d'élite, par nécessité. Astucieux, de naissance. Bagarreur, par goût. Casse-cou, à l'occasion. Charmeur, de nature. Donc, OSS 117, c'est moi. Chaque fois qu'un coup dur se prépare, qu'une affaire se complique, quand un de nos agents se fait descendre et qu'il faut en finir à tout prix, je pars. N'importe où. Au hasard des missions. Cette fois, c'est l'Asie. Les bonzes, les jonques, la Thaïlande, Bangkok. Va pour Bangkok et Banco. Il n'y a que deux jours que je suis à Bangkok et, depuis mon arrivée, il me semble ressentir des troubles assez étranges. De quel ordre? Hier après-midi, j'ai eu tout à coup l'impression d'être poursuivi par une auto. Et le soir, en rentrant chez moi, après la soirée à l'ambassade, il est vrai que j'étais un peu fatigué, mais il m'a semblé qu'un homme fouillait dans ma chambre et qu'il se battait avec moi. Quoi attribuez-vous cela, docteur? Dans ce pays, monsieur Barton, tout est possible. Eh oui, tout est possible. À part les petits pétards individuels, les expériences de bricoleurs, l'accueil chaleureux des amis, les promenades sentimentales en bateau. Eh oui, à part tout ça, le métier d'agent secret comporte quelquefois de réels dangers. Vous êtes une brune aux yeux verts, Lila. La femme que je vois dans mes rêves est toujours une brune aux yeux verts. Vous êtes une blonde aux yeux verts, Eva. Et la femme que je vois dans mes rêves est toujours une blonde aux yeux verts. Comment jouer gagnant contre de tels adversaires? Quitte au double ou bien banco? Gouna, vous n'avez pas le droit. C'est impossible. Tu m'avais juré qu'il ne serait fait aucun mal à Hubert Barton. Et il vient d'être lâchement assassiné. Je n'ai pas voulu la mort de Barton. Si tu ne me crois pas, tire.